Bonjour les amis, chose promise, chose due, je vous fais le petit tuto avec la plaque tamponnage là. Pourquoi j'ai autant de lumière? Oh, c'est la lumière de la fenêtre derrière, ça fait vachement de blanc. Sauf quand je me recule. Bref, je retourne la caméra, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie toujours pour vos commentaires. Super gentil, ça me fait très plaisir. Vraiment. Et puis je souhaite bien sûr la bienvenue au nouveau. Je remercie les anciens, qui sont fidèles toujours, qui regardent toutes mes vidéos. Ma communauté n'est pas grande, mais elle est de qualité. Voilà, donc je vous fais la vidéo, je retourne ma caméra, je vous fais la vidéo, la petite démonstration. Alors, voilà, pour ce faire, il vous faudra. Par contre, je voulais vous montrer ça là, que j'avais pris chez Action là l'autre fois. Des fois j'y vais chez Action, puis je suis pas de haut là. J'achète trois bêtises. Je trouve ça vachement mignon. J'avais pris les petites citrouilles, là, j'avais pris les petits les noisettes, c'est des glands, je sais pas. Bref. Voilà, alors vous prenez. Attendez, parce que je l'ai fait qu'une fois hein, en même temps. Hein. Vous prenez, on va dire que c'est votre carte 15-15. Donc vous allez mettre le décor sur la première page. Que je viens. Il y a un cheveu. Alors là, pour un coup, c'est pas un poil de chien, c'est un cheveu à moi. Que je viens fixer avec les aimants. Hey, ils sont très forts les aimants. Comme ceci, par exemple. Attendez, j'essaie. Voilà. Et je viens créer une petite scénette. Et la scénette, je vais la mettre sur ma feuille en mettant le côté en relief, le côté relief là, sur la feuille. Parce qu'évidemment, je vais rabattre la plaque. Donc on va dire que je mets des petits roseaux ici, que je mets un petit, je sais pas, attends, on va plus centrer la chose. Je mets un héron là, par exemple. Je pose, hein, c'est tout. Je mets un vol d'oiseau là, qui se barre là, de je sais pas quoi, de canard. Hop, là-haut. Je viens remettre. Là c'est je sais pas quoi, une cigogne, un truc qui s'en va aussi. On va mettre plus loin, comme si elle partait de. Voilà, mettre là, j'en fous, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et un autre petit. Notre petit roseau que je sais pas, je vais mettre là par exemple. Bon, c'est pas génial, hein, mais c'est pour faire un exemple. Donc tout ça, j'ai mis la face en relief vers la feuille. Je rabats ça. Et là, elles avaient des petits. Allez, sur ressort la truc. J'appuie. Et ça vient se coller. Toute la scène vient se coller sur ma plaque là-haut. Tout s'est collé dessus. Je prends mon encre dont le couvercle est cassé. C'est pratique. Et je viens mettre de l'encre du coup sur la partie relief. Voilà. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup, pas beaucoup. Je vous dis, je suis pas. C'est pas quelque chose que j'ai essayé. Puis alors même c'est. Oh merde. Même c'est. Comment? Ces tampons-là, je les ai jamais essayés. Et là, je viens appuyer pour comment imprimer ma carte. Et là, je lève. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah ouais, non, mais ils sont affreux les tampons là. Vous avez vu? Bah ça, c'est tampon Action. Voilà, ça c'est ça, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il a fait comme ça, lui?
Bon, ça passe, ça c'est raté, ça c'est raté. Donc, ce qu'on va faire, les amis, bah, vous avez un petit exemple. Maintenant, je regardais un autre quand même, parce que c'est un peu bizarre ça. Attends, on va faire celui-là pour voir comment qu'il fait. Les petits moulins là. Ouais, les moulins, ça va. Mais alors, les autres, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre ça. Attends, je réessaye. Là, je mets de l'encre. D'accord. J'appuie. Ah, peut-être que j'ai trop appuyé. Bon, là, il est bien. Là, il est bien. Oui, là, il sort bien. Et on va en refaire un autre. Donc, je redécolle tous mes. Ah, je sais ce que j'ai oublié de prendre, c'est un mouchoir. Je redécolle tous mes tampons. Mais vous allez. Ça, c'est super mignon, le petit pot. Mais ils ont mis le couvercle trop lourd. Et là, je viens refaire. Pour le plaisir. Une sennette. Bon, alors, apparemment, c'est peut-être moi qui ai trop. J'ai trop appuyé. Je sais pas. J'ai trop appuyé. Là, je refais une petite scène. Avec, évidemment, j'ai plein d'encre sur les doigts. Mais des petits chiens et chats. Que je mets là. Je vais mettre ça. Je vais mettre best friend. Alors ça. Je sais pas dans quel. Comme ça, je pense. Comme ça et comme ça. D'accord? Putain. Je vais appuyer. Ça vient se mettre. Et là, schlac. Schlac. Vous mettez votre ancre. Vous appuyez. Et c'est fait. Là, je vois par exemple que c'est mal tamponné. Ce qui veut dire que soit j'ai pas bien appuyé, soit j'ai pas mis assez d'encre. J'en remets. Et je rappuie. Et c'est bien fait. Vous voyez? Le fait que ça soit maintenu par des aimants, que ça soit sur la plaque, eh ben, je peux retamponner mon dessin à volonté. Pour qu'il soit bien marqué. Et du coup, vous avez un truc nickelos. Voilà. D'accord? Bon bah ça, je pense que c'est parce que j'ai dû trop appuyer, je sais pas. Parce que les moulins, ils font bien. Ça, c'était ça. J'ai complètement foiré le truc. C'est-à-dire que la fille, même avec une presse à tampons, elle arrive à foirer le machin. C'est quand même bizarre, hein? Attendez. Qui va là? Attendez, je réessaye. Lui là. Lui, il était mal fait. D'accord qu'il était mal fait. Je vais lui remettre un peu d'encre. Schlaka. Ah ouais, c'est parce que c'est moi qui avais trop. J'ai été faire ça, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai écrasé l'encre. Mais en vrai, il n'y avait pas écrasé l'encre. Voilà. Ah, regardez, même si plus on, moins on met d'encre, et ça fait un dessin plus. Comment on dit le mot? Je ne me rappelle plus. Bon, enfin, ouais. Vous avez vu le coup? Ben voilà, c'est tout. Démonstration faite. Je vous dis, si c'est raté, vous pouvez essayer autant de fois que vous voulez. C'est génial quand même. Je vais me laver les mains. Alors ça, soit on peut prendre des lingettes. Ou du gel, vous savez, du gel bactériologique là, pour les mains, tout ça là. Ben, on peut faire ça. Faut que bien ranger les tampons après. Voilà, sinon c'est super. Et puis. Comme vous voyez, ça évite de s'en mettre sur les doigts. Voilà. Non, je trouve ça bien, surtout quand on fait des cartes tampons, c'est pas mal. Ou des embellissements aussi avec le tampon, quoi. Voilà, les amis, je viens de terminer aussi un petit album que je vais vous montrer. Je ferai peut-être la vidéo demain. Bah, c'est tout. Vous verrez, un petit album que j'ai fait, que j'ai voulu, esprit kawaii. Mais j'avais pas trop d'éléments kawaii non plus. Bah voilà quoi. Je vais chercher une narine, je dois laver les mains. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt.
très très bientôt, certainement demain, pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, au revoir.